je lave ses habits, je parle, je fais les cantations dessus. Il dit, il ne faut pas, ses yeux vont tourner sur une autre femme, que ça soit seulement moi. Il ne faut pas, je veux le voir arrêter avec quelqu'un d'autre. Par la prière, chaque soir je prie chaque fois, et puis elle est venue vers moi, elle dit maman, maman, n'arrive pas à dormir. Elle dit mais tu as quoi? Elle dit que elle, je sens des bruits dans le corps. Elle dit mais il y a quoi? Elle dit qu'elle fait la sorcellerie. Elle dit ok, tu fais la sorcellerie avec qui? C'est à cela qu'elle a dit le nom de sa maman. Et quand je l'ai appelée, elle n'a pas nié, elle fait effectivement lui, elle veut être déchirée. Voilà pourquoi nous sommes là. Ok, belle femme comme ça, tu fais sorcellerie. Qui t'a donné? Ma grand-mère paternelle, elle m'a initiée par la nourriture. Elle a, un jour, elle a fait foufou et elle m'a donné. C'est quand je vais y manger, le soir, elle est venue me chercher dans mon sommeil. Et nous sommes partis pour reprendre la société. Et quand nous sommes arrivés dans le camp de la sorcellerie, elle m'a donné viande de l'homme, j'ai mangé, et le sang de l'homme, j'ai bu. Donc quand j'ai fini de manger et boire, elle m'a dit de rembourser. Donc il est remboursé par mon père. Ta maman là, tu as gâté quoi comme ça? Ma maman là, elle y a gâté son commerce parce qu'elle fait jus au village là-bas. Donc quand elle est en train de faire, elle fait bissap et nyamoukou. Donc elle fait bissap et nyamoukou là, qu'elle prépare là. Je chie dans l'eau de bissap là, ne pas que ça marche. Maintenant, son congélateur qu'on couvonne là, il est chié dedans. Ne pas que son commerce là marche. Maintenant, elle-même là, il a gâté son foyer en couchant avec elle pour qu'elle puisse perdre son foyer. Mais toi, tu pries, donc tu es une chrétienne, tu sais? Oui, papa. Non, répondez-moi déjà. Oui, papa. Hein? Mais elle est là, Kiki, elle est gré à la vie. Mais elle est chrétienne, elle prie. Tu fais comment pour aller bouger avec toi? Parce que quand elle va au champ, c'est moi je prépare la nourriture. Donc j'envoûte, quand j'ai fini de préparer, j'envoûte la nourriture avant qu'elle n'arrive. Donc tu l'as fait vous quand il a attaqué là, à partir au travers de la nourriture? Oui papa. Maintenant souvent aussi quand elle pue... Pour la voir. Pour pouvoir la voir. Donc souvent aussi quand elle pue son eau, pour aller se laver, nous mettons les choses dedans pour que quand elle va se laver là, ça puisse l'affaiblir. Quelle chose? On met des poudres, la poudre noire. On souffle la poudre noire comme ça. De où on met? Vous êtes c'est toi qui fais ou votre dirigeant? Pourquoi tu... Je mets la poudre noire dans ma main et quand je souffle, il fait des cantations dessus. Maintenant, quand il dépose la poudre noire, il souffle. Et puis, la poudre noire la verse dans son eau. Quand elle puis son eau, elle dépose. Le temps, elle va aller chercher sa serviette, le truc pour venir. Et ça, il fait ça. Tu as donné à combien d'enfants la sorcellerie? 52 enfants. Donc, toi, tu enseignes la sorcellerie, comment on tue les trucs? Il y a quand même un bébé, même dans ton ventre. Mais c'est normal, puisque toi, tu vois le sang du bébé. Donc, bébé, là, déjà. C'est combien de mois de grossesse? 9 mois de grossesse. Bon, une femme en grossesse qui est la sorcellerie, comment tu trouves ça? C'est pas bon, papa. Est-ce que l'auteur de la grossesse lui a dit que tu es sorcellerie? Oui, papa, il sait. Et il me disait qu'il y avait un mauvais esprit. Ça dépend de ce que tu as fait sur lui. Tu faisais quoi sur lui? C'est là que je vais venir. C'est là je suis en train de venir. Papa. C'est lui, il a su que tu avais un mauvais esprit. Le pauvre, c'est que tu l'as traumatisé. Et tu l'as même peut-être... bon, on ne sait jamais puisque le kiki est la réserve de temps en temps. De temps en temps. Tu peux sodomiser le gars. Oui, papa. Ah, tu veux ça? Oui, papa. Le pauvre. Là, il va avoir beaucoup. Oui, papa. Ça fait qu'il a beaucoup mal au ventre. Elle a beaucoup de monde, messieurs, bien fait. Les garçons, beaucoup de monde aussi. Coco.
Là, c'est Coco. Oui, papa. Et puis, il continue d'être avec toi, étant cédé. Ou bien tu l'as embouté? Oui, papa. Je l'embouté. Dans tout ce que je dis, c'est ça qu'il fait. Allez, ton pied, mon pied, ton pied, tu ne bouges pas. C'est recollé. Cardinal. Je suis comme Tarzan. Déjà. Oui, papa. Cardinal, ça même. C'est devenu, je suis comme Tarzan. Comment tu as fait pour l'embouter? Papa, c'est moi qui faisais ses habits, je prépare par la nourriture. Maintenant, le jour, il lave ses habits aussi. Il parle dessus. C'est moi qui fais les choses. Elle dit par la nourriture et puis ses vêtements qu'elle lave. Tu dis quoi? Est-ce que tu rabais tout le monde? Quand je lave ses habits, je parle, je fais les cantations dessus. Il dit qu'il soit. Il ne faut pas qu'il va ses yeux vont tourner sur une autre femme. Que ça soit seulement moi. Il ne faut pas, je vais le voir arrêter avec quelqu'un d'autre.